Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition. Et donc je vous propose, on va tout de suite recommencer, enfin pas recommencer, attaquer la mission numéro 9 de la campagne du Trident. Allez, c'est parti. Révélation. Une forteresse géante en pleine campagne protégeant un immense puits menant ici, et un cyclope qui déverse des torrents de feu sur nous. Je commence à croire que nous n'avons pas affaire à un bandit, Chiron. Qu'entendez-vous par ici ? Ereb, le royaume d'Hadès. Nous sommes aux enfers. Quoi ? Une porte. Que cache-t-elle ? Je ne sais pas. Mais si notre ami le Cyclope veut l'ouvrir, alors il vaut mieux qu'elle reste fermée. Nous devons détruire ce bélier. Appelez immédiatement des renforts. Ok, donc nous sommes aux enfers, pourquoi pas. Allons-y. Détruisez le bélier avant qu'il ne fasse céder la porte. Je suppose qu'on va avoir le droit à un timer. Des renforts. Ok, des renforts. Il y a un cyclope ici. Mais c'est fait pourrir. Alors j'ai le droit à tous les trucs. Orage foudroyant, vise un endroit pour faire déferler un orage électrique de l'Olympe. D'accord. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des manticores, d'accord. Ouah, ça fait mal à mes senteurs. On se méfie des manticores. Alors, faut qu'on aille là-bas. Je sais pas si ça va passer du coup. Parce que j'ai comme l'impression que ce soit un peu beaucoup par rapport à nous. Une chimère. Ok, un peu de chimère. On va essayer de venir à nous gentiment. Nice. Bloquons les tunnels ennemis. Ah putain, c'est le tartare. Ok, d'accord. Donc en fait, ils veulent juste. Je suppose qu'ils veulent juste libérer des types qui sont enfermés dans le tartare. Sont arrivés. On va juste détruire, péter ce cyclope. Ah ouais, d'accord, ok. Je comprends le bordel. Ce qu'il faut, je vais aller chercher les renforts. Je vais les amener là. Ils vont détruire le bélier pendant que moi je vais m'occuper de... Putain de merde. Ouais, hop, une chimère. Donc en fait moi il faut que je détruise la porte. Bon, ça va, vous arrivez à vous en sortir? Oh là 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 là. En fait, on n'est pas du tout bien. Je suis très mal barré. J'ai plus de centaure. ¡20% déjà! Putain, je suis tellement dans la merde. Ok, on se casse. J'ai pas assez de renfort. C'est quoi ce bordel? C'est super dur. Ah, c'était Chiron, d'accord, c'est pour ça qu'il était si résistant. Il faut qu'on détruise les accès, en fait. Je pense qu'il faut déjà qu'on commence par ça avant même de s'attaquer à la porte. Sinon, on va pas y arriver. La porte, il lui reste tellement de vie. Bon, alors, on va y aller avec ça. Donc, il n'y a plus de chimère. Ok.
Ah, déjà 20%, mais... Ça va être compliqué, cette histoire, je sens. Oh là 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 là. Allez, tuez-moi cette chimère, la dernière. Plus vite, mais putain. Ils font tout pour être le plus lent possible, j'ai l'impression. Oh là là, 30%. Allez, on détruit ce passage. On va détruire l'autre juste après. J'aimerais bien plus de renforts, là. Ok. Envoyez ces renforts au bélier! Nice. Des renforts sont arrivés. Ok. Putain. Je sais qu'on est aux enfers, mais je peux pas avoir la paix à un moment. Putain, ils sont en train de défoncer mes unités, quoi. Quelques acomptistes. Les renforts sont là. Ah. Toujours plus de renforts. On va aller s'occuper de la deuxième porte. Pas mal de manticores. Si nous parvenons à basculer ces rochers, nous devrions pouvoir bloquer certains tunnels. Ah, s'il me tue un cheval d'un coup. Putain, il me l'a tué d'un coup. Prostagma. Ismachin. Poro. Orthos. Poro. Prostagma. Putain, ils m'ont tué énormément d'unités d'un coup. Encore une fois. Les renforts sont là. Nice, les renforts. Lege. Kalos. Prostagma. Vite. Le bélier, parce qu'il est déjà à 30%. Va céder. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par là où j'ai rien découvert encore, du coup. Ce qui me met possiblement dans la merde. Ok, ça passe. Bon, allez, maintenant faut se... Putain de merde. Plus j'ai tellement plus de vie sur mes unités. Des renforts sont arrivés. Nice. Encore quelques renforts. Allez. Maintenant faut me péter ça. Ok, donc là on est passé à 28 000. Enfin, on a passé la barre des 29 000. Ça va être long, hein. Ça va être très très long. Je vais essayer de tenir. On va bien voir ce que ça va donner. Normalement avec deux accès coupés, ça devrait être un petit peu plus simple. Voilà, on voit qu'ils sont bien bloqués. Ça me paraît un petit peu plus simple, même si on est déjà à 40%, alors que nous, on vient même pas d'attaquer les... Ouais, si, là, on doit être à 10%. On doit être à 10%, et avec les renforts qui arrivent en continu, ça devrait aller. Ouais, allez. Encore des renforts. Ouais, finalement, si on se fait pas pourrir la gueule par... par une grosse armée qui nous fonce dessus, normalement ça devrait passer. Normalement. Ouais, on arrive à 20 000. Bon, du coup, petite coupure en espérant que ça passe. Allez, il nous reste plus que les 4000 derniers PV. Normalement ça passe. Finalement, c'était pas très très compliqué. Mais je suppose que c'est que le début de la mission. On va bien voir, mais là on arrive au bout. De toute façon, 1500, voilà, ça va être vite fini. Il y a des villageois qui arrivent, je sais pas trop pourquoi. Ah. Nous avons réussi grâce à Poséidon. C'est tout ? D'accord, bon bah peut-être que du coup on va direct partir sur la mission super, la mission prochaine, parce que ça fait quand même pas long. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Intéressant. Je vous croyais plus malin que ça pour ignorer mon avertissement. Heureusement, d'autres routes mènent au Tartare. Celle-ci peut donc être fermée. Ha 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 ha!
Ok. D'accord, bon bah scénario suivant. Les étrangers. Cela va prendre une éternité de creuser un tunnel. Selon le cyclope, les enfers ont d'autres entrées. Cela veut dire qu'il y a d'autres sorties. Les ombres, les morts. Nous sommes étrangers dans ce royaume, mais eux le connaissent bien. Ils peuvent nous guider vers la sortie. C'est type glauque. Procéder. D'accord, bon. Recherchez les ombres. Né. Voulomé. On voit rien du tout. Voulomé. Effectuez une reconnaissance. Les ombres sont invisibles pour l'ennemi et voient plus loin que les autres unités. D'accord, donc ici ça va. Kalos. Je sais pas fait tuer. C'est bizarre. Ces ombres peuvent se battre pour nous, mais soyons prudents. Rendez-vous au royaume d'Hadès pour récupérer ces reliques. Pourquoi je dois faire ça? Récupérer les trois reliques d'Hadès. Donc là, il y a le Styx. Peut détruire ces clôtures. Ouais, ça me paraît un peu compliqué. Si on peut pas faire le tour plutôt. Attendez, je vais laisser une ombre ici. Je vais voir si on peut pas faire le tour, voir s'il n'y a pas un autre passage. Parce que là-bas il y a quelques widgets. Non, attaque pas. Je crois que j'ai pas trop le choix en fait. Oui, j'ai pas le choix. Attaque par arme écrasante. Ouah. Ok. J'ai l'impression de prendre ma... Non, mais non, ça c'est sa défense. Bon bah allons-y hein. Isvoli. Je crois que j'ai juste perdu mes ombres là. J'ai fait le con. Elles se sont fait péter tout de suite. Bon, j'aurais pas dû faire ça. Ah. Je viens de tuer une unité, bravo. Bon. Une petite gorge, des petites méduses. Allez, on va les pourrir. Oula. Ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Il a mis trois plombes à réfléchir. Bon. Ok. Mais j'aurai besoin de plus d'unités que ça en vrai. Parce que là, je suis juste en train de me faire défoncer la figure. Et j'ai plus d'ombre du tout. Je crois que c'était pas le bon endroit. Ok, il y a une ombre. Nice. D'accord, faut qu'on détruise ça. Je suppose que derrière il doit y avoir des petites bestioles. Non, même pas. Bon alors, une des premières reliques. Voici la première relique. Trappe putain de sa mère. Cool, d'accord, donc on a récupéré le pouvoir de bronze. Le tout, c'est quand même d'éviter de perdre encore trop d'unités. Oui, je suis d'accord. Nous devrions rechercher d'autres ombres. Je vais utiliser celle que j'ai à ma disposition déjà.
J'aurais pu passer par là, ça m'aurait évité de me battre. Bon. Y'a quoi par ici? Ah, ok, ne pas s'y attaquer. D'accord, donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me foute dans un coin. Ouais, ça patrouille. Je suppose qu'il me voit pas si je me mets dans un coin. Je vais voir où est-ce que je peux me mettre. Ouais, là, c'est pas possible. Il y a que à droite où je peux essayer de me caler. Bon. Ça me paraît un peu compliqué, mais c'est faisable. Le tout, c'est de passer la barrière sans trop de soucis. Je me suis caché. Je suis méga caché. Alors, qu'est-ce qu'il fout? Faut vite qu'on passe du coup. Ok, d'accord, je sais pas trop pourquoi ils végètent dans leur coin, mais c'est plutôt pas mal du coup. Allez, on se casse. Ah putain de merde, je les avais pas vus. Qu'est-ce que c'est? Des momies, d'accord. Et elles ont l'air de défoncer mes unités. J'ai jamais y arrivé à la fin. Ah d'accord, ça... Oh là 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 là. Oh putain de merde. Laissez-moi passer. Ok, j'ai cru qu'il se battait avec quelque chose. C'est pas simple. Hein. Donc là, ça me paraît bien. On doit pouvoir passer. J'ai plus que quelques unités. C'est vraiment ridicule. Merde! Mais non, mais pourquoi je me suis suicidé sur quoi là? Le pouvoir restauration nous est accordé. Petit caïman. Le problème, c'est que le pouvoir restauration maintenant il ne sert plus à rien. Bon bah allez. Hein. Tant pis. Bon, on a récupéré une ombre, c'est déjà ça. Et il nous faut la dernière relique. On va aller voir ce qui en est devant. Et si possible, ne pas se suicider sur un petit caïman qui passait par là. Je vous transporterai sur le Styx, mais attention aux créatures des profondeurs. Ok. Ça me paraît cool, encore une fois. Arrêtez de me manger les fesses. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, faut tout ce que je les fasse monter dedans. On va faire ça vite. Ah oui, mais non, en fait, on peut juste passer comme ça. Ok, d'accord, donc on peut descendre comme ça. Et donc là il y a encore un... On doit pouvoir passer par là quand même. On va essayer de descendre par ici. Nous sommes sauvés. Ah cool.
Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok, donc là, Hadès a invoqué le pouvoir du fléau des serpents. Il y a beaucoup de bestioles. Et on n'est même pas sûr qu'au bout, il y ait ce qu'on cherche. On va voir ce qui se passe par là. Il y a masse créatures quand même. Pas des très grosses créatures, mais il y en a beaucoup. On va juste... Je vais juste voir s'il n'y a pas un autre point de chute plus loin. En attendant... Ah non, bah, pas du tout. Bah du coup, pas le choix. Pas le choix du tout. Allez, on va finir ça. Il faut qu'on avance. On sait qu'il faut pas aller à gauche s'il y a une manticore. Là, ça va. J'aurais peut-être dû garder mon pouvoir de soin, du coup. On va écarter les ombres un petit peu. Alors, ok, on va tuer ce bidule. Tue-moi, c'est ça. Bon. Il en reste un. Ok. On détruit cette barrière. Et les serpents vont pouvoir. Bon, alors, vous avancez, vous allez me dire ce qui se passe devant. La question c'est qu'est-ce qui se passe là-haut? On est proche de la dernière relique. Mais je suppose que ça va être un peu plus galère. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, champ de lave. Il n'y a plus d'ennemis, donc on va pouvoir avancer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des Léviathans? Ouais, ok. Bon bah tant pis, hein. J'ai plus de bateau. Oui, c'est bien ça, j'ai plus de bateau. Continuez à regarder ce qui se passe là-bas. Donc là, il y a encore des statues. La dernière relique est là-bas. Putain de merde, en fait, on se casse. Ok. Ça me paraît ultra tendu en fait sur cette fois. Bon allez. Qu'est-ce que je passe? Qu'est-ce que je fais? Toi t'es mort. Ok. Un orage accordé par Zeus. On n'a plus rien, plus aucun pouvoir, plus que l'orage. Apporter les trois reliques au temple. Putain, c'est pas fini. Merde. Ah là 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 là. Bon. Par pitié, dites-moi qu'il y a encore des unités qui traînent. À la limite, on aura des unités qui permettent de one-shot. Du coup, bah, ça peut être pas mal. Alors. Je vais ramener ça. Ok, one-shot ça. Feu de forêt. Ok, donc là, j'en ai plein. Je vais tuer les grosses créatures, au moins je serai tranquille. En plus, il y en a plein. Alors. J'ai masse ombre, on avance encore un peu. Ouais, j'ai bien fait. J'ai particulièrement bien fait. Est-ce que je peux traverser ça? Ouais, si, yes. Ah oui, d'accord. C'est
pas avec cette petite avec ce petit groupe là que je vais arriver à faire quelque chose sans ces ombres. J'ai leur âge à la limite. Wow. Je lance l'orage ici. Ouais, on va faire ça. On va one shot cette unité là, on va one shot l'autre. Ouais, finalement, c'est pas mal. Il nous reste 3 ombres. Et on a pas mal défoncé d'unités. Ouais, non, c'était pas mal. Reste qu'il doit peut-être y en avoir encore derrière. J'espère pas. Notre tâche est terminée. Ouh. Les reliques ont été retrouvées. Alors du coup, je ne sais pas quel était le rapport entre trouver des reliques et trouver la sortie. Les temples. Arcanthos, les dieux t'ont aidé jadis. Peut-être t'aideront-ils encore, si tu le demandes. Quelle chance que l'un d'eux honore Poséidon. C'est inutile. Pourquoi Poséidon ne répond-il pas? Peut-être qu'un autre vous soutient. Et si c'était Zeus? Dépêchez-vous, vite! Allez! Oh merde! Trop drôle. Beaucoup trop drôle. Nous aurions dû ouvrir la première porte vers le Tartare. Et si vous aviez tué l'Atlantéen lorsqu'il est venu vous reprendre le trident, nous l'aurions fait. Et s'il s'échappe des enfers? S'il y parvient, il ne lèvera pas une armée pour l'envoyer en Égypte avant que j'aie relâché l'ancien. Et les dieux égyptiens? Seul Osiris peut s'opposer à nous. Et selon Kemsit, Seth l'a vu. Parfait. Si Arcanthos réussit à s'échapper des rêves, il ne m'échappera pas. Il ne vaut mieux pas. Poséidon veut que ses fils retrouvent leur pouvoir. Personne sur Atlantide ne saurait arrêter ça. Toutes ces révélations, tout ça, mais on verra la suite du coup dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, etc, etc. Et puis, à dans 4 jours pour la suite de Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.